Mmh. c'est là comme prévu mmh. bonjour bonsoir où que vous soyez comme je vous ai dit je dis il est temps de dire la vérité certaines vérités à certains de nos parents musulmans parce c'est trop c'est trop vous voyez il y a en haut il y a en bas aujourd'hui je dis à main mmh donc euh, le temps que vous venez et puis j'invite les autres on va mettre euh, maman Kumba voilà tous vos conseil de maman Kumba vous voyez c'est une maman qui nous a donné plein de bonnes musiques et voilà son conseil est là allez-y allez-y bien là bas on a qu'à encourager nos artistes quoi c'est ça maman, merci beaucoup Ma fierté, j'ai mis là-bas que je vais m'adresser à nos parents, certains de nos parents musulmans. Uh -huh. ivoirien, je suis ivoirienne donc j'ai dit Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que où on est arrivé là, là, n'a jamais foyant. Amen. En faou na bao. nfa nanba almamiw mû abe serama fnl parceque ya une scène qui se passe moi je vous ai di si plusieurs fois mais fièrté aujourd'hui je vous di ya plus de cinq filles qui sont aujourduis sous, sous ma charge à cause de Il y a des gens qui cherchent grossesse à être torche, qui s'en vont payer l'argent des milliards, des milliards pour avoir une seule grossesse. Ils ne gagnent pas. Il y a des gens au bout et en fourreau là. Ils sont dans leur mariage. Quand je... Voilà, le réseau était parti. Quand tu dis la vérité, le réseau s'en va. Tu n'es pas assis dans la maison ici. Si, mon réseau va partir où? Mmh? Donc, je disais que je viens ici aujourd'hui pour m'adresser à nos parents musulmans de Côte d'Ivoire. Que tu sois l'imam, que tu sois n'importe quel milieu, musulman qui fait Allah au Akibari. Moi-même, je suis musulmane. Donc, je suis bien placée pour parler. Parce que si nos autres parents chrétiens viennent parler d'une manière, ils vont dire qu'ils sont en train de dénigrer nos, 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 notre religion. Il est temps qu'on dise la vérité à nos papas.

Quand les enfants prennent grossesse à cause de votre peur, d'autres s'en vont faire avortement pour se tuer. C'est écrit dans le Coran que l'homme doit faire avortement pour se tuer au semaine Voilà nos autres parents chrétiens. Parce que nous, nous Nos autres parents chrétiens qui sont là-là. Quand leurs enfants prennent grossesse, il y a d'autres filles. De nos soeurs chrétiennes de Côte d'Ivoire. Elles prennent grossesse. On ne peut pas dire que l'enfant ne prend grossesse. Ce n'est pas honoré pour les parents. Mais si Dieu a donné, c'est Dieu qui donne grossesse. Il y a d'autres même, ils font, ils font, matin, midi, soir. Ils ne gagnent pas grossesse. C'est Dieu qui, en, qui donne, qui met enfant d'enfant des gens. Nos autres parents chrétiens de Côte d'Ivoire là. Souvent ils font un enfant, trois enfants, quatre enfants même, mais ils gagnent bon mari et puis ils sont bien installés. Ce n'est pas parce que tu as fait enfant dans ta jeunesse que tu ne vas pas avoir mari. Tout le monde vient à hein, son destin. Le destin qu'on est venu avec là, c'est ça qui fait que d'autres filles, là, leur destin, c'est prendre grossesse dans la jeunesse. Regardez mes fiertés, la scène qui s'est passée. Et puis il y a des filles qui sont jetées leurs enfants. Je vous ai dit, j'ai plus de cinq filles qui sont actuellement à ma charge, sur ma, sur ma tête, dans fait de grossesse là. Quand l'enfant prend grossesse, l'enfant est enceinte. Eux, ils font les enfants sont vont gâter grossesse, ou bien ils chassent les enfants. Il chasse les enfants, il y a d'autres je débarque. Adinto baby, olube gnyina, o te d'un sero là là ne contient quoi, son. Sranya, kwabis ko be, kwa be srananya. O ka kunchin, ka kunchin, ka kunchin. Aya sranya kson. Bi dento bro d'be furu là, bro, ils n'ont pas, elles n'ont pas enfant. À cause de vous. C'est écrit dans quel Coran Dans quel coin du Coran Aya la bo c'est écrit dans quel côté du Coran? Que si ton enfant prend grossesse, il faut la frapper pour la tuer. C'est écrit dans quelle place du Coran Que si ton enfant prend grossesse, il faut la chasser. Les trucs importants qui sont dans le courant, là, c'est ça vous devez nous parler. On est fatigué. Ambratoro. Kong un fru kafrima. En son nom. ma ni den ka kɔnɔta ala le ka kɔnɔ di dɔw be cɛ ɲini ka ɲini kin in lnet sntr de parti ajrd sd lnet dɔw be cɛɲini k ɲini k ɲini epian be tere min na bi an facɛ na bamusow siramanw malugu le ma bi min ye bi ye n'a ma kɛ karamɔgɔw ye ani alimamiw ani karamɔgɔdenw muso juman ni cɛ juman le be furu bi koo ma lani ɲɔgɔn ye o tɛ yin

pour éviter que ces enfants la gardent grossesse là, les filles la gardent grossesse là. Aujourd'hui elles sont sur ma charge. À cause de ça, je suis en train de construire centre. Moi-même j'ai ramassé deux, deux enfants. J'étais des gens qui ont pris grossesse neuf mois. Les enfants là sont un mois, ils ont grandi aujourd'hui, Garçon et fille. prngrossess neuf mois cache pour, pour aller, accouchement que e dupole jete les enfants sus poubell yama ton qcaantatomoele obabi oh, peut-être sept maman qui a jeté ces enfant aujourd'hui e doit dans la souffrance quelque par laba alors que ces enfants la ont recu aujourd'hui aye sabari aykalaoona aye ni dabila ni den min ka kɔnɔta a ye faraw l ll ky kɔnɔt a ye jigi a yɛrɛ bena tɔɔrɔ min kɛ knɔmya l ka na jigi ni jgi tɔɔrɔ k o n'a kerenke, a knɛ tnɔ ɛg knfɔ ki ka, ka la, soro, le, de wrunguryal k b' kkit furucɛ sɔrɔ y l furc sɔrɔl ilyɛrɛ mnluu k' dnmuso bni ka deni fag paskala pri groses Alimami, ouri la kata, dari, amanson. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle religion ça? Je respecte hein, la religion musulmane, je suis musulmane. Mais on n'est qu'à se dire la vérité, on est fatigué de certains. Il est coquille d'un kakonota, qui busila, alimami, Alimani qui s'arrête devant vous pour dire Allah la la série. Alimami est parti te demander pardon. Vous dites non, vous avez frappé la petite pour la tuer. C'est écrit dans quel Coran qu'il faut frapper ton enfant qui a pris grossesse pour la tuer? parlez nous des trucs qui sont importants, qui sont importants dans le Coran. Ne nous emmerdez pas. Abra un taureau, Abra deux serments en taureau. Donc, baby, d'un bro, au bois à frou, il n'y a pas un jus qu'on met pas sué on les traite de tout parce qu'elles sont aujourd'hui stériles à cause de votre méchanceté. Elles ont gâté leur grossesse aujourd'hui. Il y a plus d'enfants dans leur ventre. Je vous explique. Ceux qui sont sur ma charge là. L'autre jour, il y a une qui est partie. jeter son enfant. déposer son enfant quelque part. Elle a pris grossesse jusqu'à elle a accouché. L'enfant avec elle, elle n'a pas de solution. Elle a fui la maison. Elle a accouché son enfant dans sa main. Elle dit, si mes parents savent, savent que j'ai un enfant là, j'ai fui de la maison. S'ils savent là, ils vont me tuer. Elle allait déposer son enfant quelque part. L'enfant même avait grandi un peu. Elle dit, elle a faim. Elle même n'allait pas à manger. L'autre jour, j'étais allée chez quelqu'un, aller saluer dans une cour. Cette petite-là, elle est aujourd'hui à ma charge. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, la petite-là était dans le tombeau. Une petite Tellement vous mettez pression sur vos enfants, ça fait que les enfants se cachent. Souvent quand ils vont à l'école, ils restent, souvent ils n'ont pas couilles. ils disent que j'ai cours. Elles s'en vont. Elles s'en vont chez leurs gars. Elles s'en vont se coucher là-bas. On leur couille. Et puis ça devient grossesse. Quand l'enfant grandit même, tu vois que l'enfant a poussé les seins là. L'enfant a commencé à faire les règles là. Il faut faire soi à ton enfant pour lui donner conseil. Il y a des filles qui sont là, elles restent là, ceux qui discutent avec leurs parents. Ils parlent avec eux pour leur donner conseil, elles sont là. Vous dites, non, tu as grandi. Il n'y a il y a là. la la petite va savoir se protéger pour ne pas vous déshonorer. Mais vous êtes dans méchanceté sur les enfants. Ambra, toro. Dieu vous a dit ça où? Ce qui donne grossesse à l'homme, ce n'est pas Dieu. Si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui, il y a des femmes qui n'allaient pas être sérieuses, qui ne gagnent pas en, enfant. Parce un dans trop, là. Je vous explique pour la petite, mes fierté. J'ai une petite, il y a une petite là. Elle, était dans notre, elle est dans notre quartier là-bas, à saint fran Un jour, j'étais allé saluer dans une cour. Ces femmes, il y a une femme là-bas qui vend les comprimés. Les bêtes bizarres comprimées là. La petite a envoyé sa petite sœur pour écrire sur papier, pour dire, faut dire, médicaments qui gardent grossesse. Quand ils ils sont, ont, elle est venue acheter les médicaments là. J'étais là. La dame qui vend les médicaments, elle ne sait pas lire. Elle disait, ah, c'est quoi qui est écrit? Vous regardez, oh, c'est quoi qui est écrit? Je prends, je vois, médicaments qui gardent grossesse. J'ai pris le papier. J'ai dit à la petite, va appeler celle qui t'a envoyé. Elle est partie, elle n'est pas venue, elle est venue, elle dit non, elle, dit, elle vient, elle pas. J'ai suivi la fille là, elle habitent dans un couloir, dans le noir là-bas. Serpent même pouvait me piquer. C'est les actions comme ça qu'on doit faire. C'est ça Dieu a dit dans le courant. Dieu n'a pas dit, allez-y frapper vos enfants pour les tuer parce qu'elles ont pris grossesse. Je suis allé, je lui ai dit, va l'appeler. Faut pas que sa maman va savoir, ses parents vont savoir, va l'appeler. Elle a appelé, elle est sortie, j'étais assise devant la cour. Elle est sortie, j'ai dit ma petite, pourquoi tu veux faire ça Elle a menti au début, elle a dit viens mais non c'est pas moi, c'est pour ma copine, j'ai dit c'est pour toi. Je suis venue te voir, on va avoir une solution à ça. Tu es enceinte, elle dit oui je suis enceinte, viens mais j'ai peur de mes parents, ils vont me tuer. Vous imaginez ça C'est quoi ça une petite fille, elle allait mourir. Elle est la seule fille, seule enfant de ses parents. Après, ton enfant va mourir. Ils vont être la trouver dans la clinique. Euh, on vous appelle, elle est en train de mourir. Ouais, mon enfant, eh, si elle savait, je n'allais pas mettre pression sur elle. C'est trop tard. Je dis, ma petite, moi je te demande de ne pas gâter cette grossesse-là. Moi-même, je vais m'en occuper, puis je vais prendre en charge. Même si tes parents te chassent, moi tu vas habiter chez moi. Jusqu'aujourd'hui, la fille est moi. On est en train de chercher une solution pour demander pardon à ses parents. C'est comme ça. Tellement la famille est sévère. J'ai dit, bon, tu vas accepter mes conseils. Elle dit, viens, mais j'ai compris. J'ai dit, qui t'a enceinté? Elle dit, non. Elle a dit le nom d'un jeune. C'est l'un de mes fils, nous aussi. Complet. En même temps, j'ai appelé les fils là. Quand j'ai fini avec la fille, je dis, je vais te donner souvent les doliprane, les trucs, tu vas prendre ça pour ne pas que tu te couches trop, pour ne pas que les parents prennent gras. Le temps de ça, je vais appeler ta maman pour venir la parler, pour la préparer, pour qu'elle puisse nous aider, pour nous couvrir un peu. Un mois, deux mois, on va te faire sortir de la cour et puis maintenant, on va, on, on va s'occuper. Elle dit, viens, mais j'ai compris. Quand je suis quittée là-bas, je ne faut plus aller dire à quelqu'un de tu vas aller payer médicament. Elle dit viens mais je te promets. Parce qu'elle a vu quelqu'un qui est là à côté d'elle, qui est en train de la soutenir. Elle a vu quelqu'un qui l'écoute. Écoutez vos enfants. Parlez avec vos enfants. je Je suis allée. J'ai pris, j'ai donné de lui prendre à l'un des enfants dans la cour. J'ai dit d'aller lui donner ça, on lui donnait. Elle prenait ça un pied un pi. J'ai appelé les fils qu'elle m'a dit son nom là, j'ai appelé leur dévancier. J'ai dit, fiston, là, il père, venez ici tout de suite, j'ai besoin de votre bohi. Les enfants là, tellement ils me respectent, c'est comme s'ils étaient chez moi. Ils sont venus, viens, mais il y a qu'un moment, il y a qu'un moment, j'ai dit non, il n'y a rien. J'ai commencé à expliquer l'histoire. J'ai mis seulement ma main sur le côté là-bas. Le fils m'a dit ouais, viens, mais c'est moi. Il a dit, bon, voilà la situation, ce qui est sûr. Voilà, on va essayer de s'occuper d'elle. Et puis voilà, moi-même, je vais la prendre. Si ses parents ne veulent pas qu'elle reste, s'ils prennent drap, elle va venir ici. Et puis, on, je, je vais m'occuper. Pour ne pas qu'elle va mourir. Il a dit, viens, mais a pas de problème. J'ai attrapé la petite. La petite a accouché. Dieu, Dieu a fait. J'ai dit à ce moment de nous donner ses matériels d'école faire sortir les matériels de quoi pour venir nous donner pour qu'elle va continuer l'école jusqu'à ce que l'école l'arrête. Maintenant, même à l'école, on ne chasse plus les élèves à cause de grossesse. Tu vas partir à l'école jusqu'à l'accouchement. Et puis, quand tu accouches une semaine ou deux semaines, on te donne et puis tu reprends l'école. Où est le problème Nos parents musulmans. La petite a accouché. Elle est là aujourd'hui. Ses parents me remercient aujourd'hui. Alors que eux-là, si la petite remercie elle-là, peut-être elle ne vivait pas aujourd'hui. À cause de leur. ou Faria? Faria, Si l'enfant a pris une grossesse, là, avant que l'enfant va prendre une grossesse, ton enfant, il faut la conseiller. Ah, il n'y a pas Parce que quand tu es mariée, tu dame. Marié. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui il ne faut pas aller chercher un garçon. Il n'y en a pas. Il ne faut pas bon, se blaguer.

La petite, elle était à trois mois, quatre, presque quatre mois de grossesse. Elle dit, elle va aller gâter grossesse là, à Yamsu les autres fistines m'ont dit, viens, mais il y a un moment, hein. Viens dire, à quel way. Elles disent, ah, voilà ta fille, hein. Elle veut, elle veut, hein. Elle veut, il y a quelque chose, alors que le truc est arrivé loin. Vous imaginez? Tellement leur papa est sévère. Tout le monde le connaît dans, dans le quartier. Même l'imam, on est parti voir l'imam pour demander de l'imam, pour demander pardon à son papa, il a dit, il veut pas. Quand ils m'ont dit ça, je, je suis allé voir la fille. À quoi ça vous avez vu là? Moi, je suis allé loger là, je suis, suis tombé malade. On dirait, que j'ai envie. Je me promène sur le soleil. Derrière les fils, nous aussi, à les fistines. Qui sont dans les problèmes comme ça. Je suis pas milliardaire. Je suis pas riche. Mais ni qu'à mi, le est soleil, ni Oh, le fou là, n'y a pas de courant. Quand il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il J'ai dit à la petite que ce qu'on va faire, hein, tu ne pas la grossesse. faut me regarder. Vous me faites confiance. Regarde-moi seulement. Tu vas accoucher. Même ton papa dit il ne veut pas, si il pas, là. déjà il t'a déjà chassé de la cour. Donc, on va, on va essayer de voir. La petite, elle m'a fait confiance. Elle est restée. On est resté, on est resté, on est resté dedans. Hein Les enfants des gens, je prends le risque. Parce que l'accouchement, c'est la vie et la mort. Tu me dis, peut-être Dieu peut faire... Ils vont, ils peuvent, l'accouchement, quelque chose peut les arriver. Leurs parents vont dire c'est rentré, c'est sorti ici. Mais Dieu m'a sauvé dans tous les cinq. Elles toutes, elles ont accouché, même sans césarienne. C'est Dieu qui est fort. Parce que Dieu aime l'action que je suis en train de faire. Dieu aime cette grossesse. Dieu accepte cette grossesse. Au lieu qu'elle aille faire avortement. C'est pour ça que Dieu m'aide. Tous ces cas-là sont là. Jusqu'à présent, regardez le temps, moi j'étais au pays jusqu'à ce que je suis venue ici. Je suis revenue jusqu'à actuellement. Imaginez, il y a des papas qui n'ont pas encore accepté. Pardon. D'autres disent que si la fille veut venir, l'enfant n'est qu'à rester bébé. Bébé de un mois, deux mois. N qu il n'est qu'à l'enlever. Il ne faut pas que l'enfant va rentrer dans sa cour. Ça, ça peut se faire comment L'enfant va traiter comment L'enfant va vivre comment puça y a de fil qusanbon a coucher pie jete leurs enfant ça c'est chenos parents museluman il faut que sasarrête on anema on est fatigué Ay, abra, toro, abra, toro, yon, mou, ai farana abranor abrado quedenwrobarie nio mo comportement le se ça je dis ici souvent je dis suffit pas dale prier alawa iyenie olegbe sede sakisagi alu siramato ka ta den gbesi fo qoofaka alors que ce vous ki vuzasee toujours en train de nou wagibi pour nou di que on di quand tu tue lom cet pas bon mas toua mêm tu frap ton enfant tula tu denworo ta tola denwuro téta cieye sunŋuruden kɔnɔta ka den woro o kɔrɔtɛ koo dentɔgɔ ta cɛnin no ala le ka kɔnɔ ni di De sunŋuruden den woro o kɔrɔ tɛ ko sunŋurudentɔgɔ tena cɛ sɔrɔ den saba den naani den loru bɛ dɔw boro ka furucɛ yanaman sɔrɔ o siginin bɛ bi ni o cɛ o ye palka Elle s'assoit, elle regarde Dieu. Elle dit Dieu est grand. Dieu est son mon enfant. Mais après ça, elle gagne Marie. Après ça, les enfants là, deviennent des grandes personnes, des grands types, des grandes personnes dans leurs mains. D'autres même leur papa dit que c'est pas moi qui t'ai enceinté. Mais elles sont là, elles disent Dieu. Elles élèvent leurs enfants. Ni mon comportement, les... M y m y comporte hein? Vous êtes assis sur notre respiration. Akena frou sera nima, mon ami te sera mahe. Akena frou omah, a baro koko en con chargeo la. En en Hein? A bolo la sissan. Grossesse des filles, allez les frapper, Kofra. Regardez le bébé, le cadavre des bébés qu'ils ont vu dans le coin. Là. Regardez, il y a des gens qui cherchent enfants. A torche.

vraiment nanema e sertain de no paren seruma abrantoro mok shema denw keladewur barie bia koso alani konochie kosc uach ar auu kar obeta konochie ciye nafurula loi dente bebenen reke

oui cette loi là on va demander à nos justices à notre nos, 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 nos ju justice ou nos gouvernements ils vont installer cette loi là qu -ce que quand les enfants prennent grossesse là les parents n'ont plus le droit de les chasser c'est de ça qu'il s'agit c'est vos enfants ah, vous allez assumer il y a des enfants qui font son à finir prennent pas grossesse obi dianto là c'est quoi ça Réal, la petite, même son papa, a dit jamais, il ne veut pas. trop quatre mois, la petite voulait aller gâteau grossesse. Aujourd'hui, si tu vois l'enfant là dans sa main, l'enfant est joli comme ça. Potopoto, dans sa main. Est-ce si qu'on sait, l'enfant là va devenir quoi demain Si elle était partie gâteau grossesse de quatre mois là, aujourd'hui elle était dans ton beau. Tu sais à quoi les amours sont en train de construire le centre là Hein J'ai pris mon argent dans ma poche, ma souffrance, je suis allé payer le terrain. Pour construire, je suis en train de construire, c'est à cause de ces filles, ces jeunes, ces petits jeunes, qui sont dehors, souvent dans la souffrance, et que les gens s'en vont abuser d'eux, coucher avec eux, parce qu'ils n'ont pas de dortoir, ils n'ont pas de coin pour aller, ils ont fui, d'autres ont fui la maison à cause de la maltraitance. C'est le centre de ça que je suis en train de construire. Quand ça va finir, ces enfants-là vont être encadrés dedans, là. Le jour, même le jour, où je vais mourir, là. J'ai parti trouver ça, devant moi, chez dieu. Quand ces enfants seront dans ce coin-là, même si d'autres personnes ont géré et que ces enfants ont un toit, ces enfants ont des protecteurs pour ne pas aller gâter leur grossesse pour mourir, Dieu va écrire ça sur moi. Chaque fois qu'une jeune fille va avoir des problèmes comme ça, va aller dans mon centre Pour dire, ah, je suis venue, j'ai tel problème parce que mes parents font ça. Et cette personne va dormir en bas de ce toit. Je veux avoir les bénédictions de ça dans ma tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? On peut rester dans ça. Viens, mais nos parents sont méchants. Nos parents sont sévères. Les enfants vont à l'école. Souvent, il n'y a pas cours. Elles vont dire qu'on a cours. Elles vont se coucher chez leurs gars. De Matin jusqu'à le soir, ils sont en train de faire. Dans cacher, caché, c'est dans le cacher, caché, l'homme prend grossesse vite. Ni yera le kounye nan akwa A quoi est slamali? Slama, kati de umboa, Alimami, ko, sabari, ikouite. Ikafra. Maintenant, ils vont te mettre en prison. C'est pour dire qu'on vous a mis en prison. Vous allez partir en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez partir en prison. On est fatigué de vous.

même l'autre jour la petitre l'autre qi est parti déposé son enfant eccqnjesuis que... asis tranqlle connaistion epartionnetonneavidéo sinali mina cine trucs... faminlelawa Attendez, j'ai placé mes lunettes bien. Je suis assis dans la maison, je suis en train de signaler ma vidéo. Je suis assis dans la maison. On dit ma connexion est partie. Depuis là, ça s'en va. Ce n'est pas Wi-Fi. Hein? Quelle connexion qui a partie? Hein? Donc, je disais à nos parents musulmans de Côte d'Ivoire, parce qu'après que Côte d'Ivoire Et puis je suis ivoirienne. Vous avez déjà vu nos parents chrétiens. Qui sont encore du d'Ivoire, ils ont déjà frappé leurs enfants pour les tuer parce qu'ils ont pris grossesse. Pourquoi, quand vous êtes en Europe ici, là, quand vos enfants prennent grossesse, vous ne les frappez pas pour les tuer Ou bien les chasser Laissez les, les gens en paix. Ce que Dieu dit de venir nous dire, là, on n'a qu'à faire, là, pour arriver au paradis, là, parlez-nous de ça. Laissez-nous, les filles, là, laissez-nous un paix en paix. Laissez-nous tranquilles. Vous nous avez rendu beaucoup de personnes stériles. À cause de votre sévérité, votre comportement. Après ça, les vont attraper ces gens-là pour aller demander pardon. Moi, je demande à nos justices, nos autorités de Côte d'Ivoire, ces gens-là, il n'y a pas à faire de pardon dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas frapper la petite pour la tuer, pour venir dire pardon. Pardon, ta là. Vous avez fini de la frapper pour la tuer. Votre conscience, là, ça peut rester tranquille. Aujourd'hui pour avoir une femme femme vieille, là c'est rare hein Allah Wakibaru Vieille vierge Allah y a pas les garçons même ils marient pas femme si tu vois un garçon qui marie une femme qui n'a pas fait roco-choco avec elle là hein c'est que c'est la famille qui a pris comme ça pour dire tiens on te donne c'est ta femme c'est ça sinon là Ton diz ke je ve pa pran keksyon ke je kone pa. Hmm? Ya de fi ya diz ke je ve pa pati. Ti a le pran ke en nom ou. Vou na ve pa fe loko choko ou. Si ne pisan la ou. Ti a e bagaj dan ta men. Hmm? Vou vou zet marie epi sa se le pa. Hmm hmm. A la wakibaru. A okman wakagure de. Kata cheta ou. Fente ouri la ou. An iman lo. Fase vou ne pa fe ou. Hein Vous n'avez pas joué, joué, cartouché? Y était nu au coran. Ah ben bon là. Ça c'est n'est pas. Ou bien vous arrivez dans la maison, tu as pris une femme, y a pas trop. Yem Y a un monsieur, je vous dis, je vais vous expliquer aussi l'histoire là aujourd'hui. Y a un monsieur, un papa musulman, Anya, Anya dabla, parce que monoty n'est-ce qui produit, je quoi ce pas ce bois là? Tu ben, bas au sur M'tien kadé, a hein? Vous tous qui êtes ici là, je m'excuse. Parce que voilà, les grandes personnes qui sont âgées que toi te regarde, il faut les parler en respect. Kata Denya a Pour ne pas qu'elle va coucher à un garçon. N'a fierté, est-ce qu'au kanywa? Il est allé gâter la fille. Elle est chelou comme ça, elle est là. Elle n'a pas, elle n'a pas l'autre là. Ou en fait encore je chocolat Il y a comme ça, vous allez comprendre. Mm -hmm. Maman, Amadou, touré, 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 bisous, moi. Merci, adoré. Hein? Kata, demi fin, n'en a pas. il avait pas trou, là-bas. La fille est assise. On est dans le quartier là. Nous tous, on joue. On joue comme ça. Hein? Le, le, vous savez, quand on est un peu jeune là, nous et puis les garçons, on fait vraiment frayant. Nous tous, on fait ça. La fille, là, elle est assise comme ça, toujours. On lui a dit, mais toi, toujours nous, on joue avec les garçons, on fait les amusements. Pourquoi toi, tu ne fais pas aussi Elle dit, non. Elle ne veut pas dire à tout le monde. Un jour, moi, je lui ai dit, mais quand on va jouer comme ça, quand tu t'assois toujours comme ça, après les autres filles, tout le monde va se méfier de toi. Et puis après, tu as rester seule. Après, elle m'a dit. Elle dit, mon papa a dit, il ne faut pas y aller avec quelqu'un. Sinon, il va me tuer. Sa maman même qui est là, là, son papa a dit, si elle dit à sa maman là, il va la tuer. Alors que la fille sont devant là, il est allé au Dans mauvais sort, pour fermer, excusez-moi, pour fermer, j'ai pas dit le nom de truc, pour fermer la chose de sa fille. C'est quelle méchanceté ça. On est resté dans ça. Moi, je lui ai dit, il faut dire à ta maman. Elle dit, non, j'ai peur. Si je dis à ma maman là, il oui, j'ai peur. Mon papa, de toute façon, il m'a parlé là. Peut-être lui-même, il voulait faire quoi, tu connais ça. moi, je ne comprends pas. On ne peut pas être sévère jusqu'à arriver à ce point. Aller coller ta fille. Donc, il est resté dans ça jusqu'à le monsieur mort. Pour laisser sa fille comme ça. On ne sait pas quand la mort prend l'homme. La fille est morte. Ah, pardon, excusez, ce n'est pas la fille. Le vieux est décédé. C'est après quand la fille est décédée, maintenant, la fille a dit à son père. mogran dache babu soi salue avec respen i hmm? donc la fille maintenat adia sa mama se il seson levé soporo e na labi feakaine ei doau kanyere lompe oyarala oh, moso yarala na den kayara aa ka 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 jusqaele partie tombé sur la perso En ce moment, la mère... Hey, hey, non, c'est pas possible. Le monsieur a dit que c'est son papa qui a fait. Que c'est son papa qui est venu le voir pour dire des faits. Le monsieur dit, la dame dit, où oh, en est là, là, il est décédé. faut me sauver. À cause de Dieu, je n'ai pas moyen. Le monsieur a dit que quand son papa est venu me dire des faits, là, je lui ai dit, je l'ai répété trois fois. Ce que tu es en train de faire là, ta fille là, ça va pas s'ouvrir si la mort t'a pris. Si Dieu a fait que tu es resté vivant et que tu es venu me voir, tu es, le jour tu es prêt, vivant, pour venir me voir, pour dire de débloquer, pour ouvrir la chose. Mais si tu restes dans ça que la mort t'a pris, je, on ne pourra plus ouvrir. La fille va rester comme ça jusqu'à sa mort. Je vous dis, la fille, elle est là jusqu'aujourd'hui, son truc est fermé. Une jolie fille, si tu la vois, tu ne peux pas croire. Tu vois taille la même Non. Quand tu regardes son visage, on dirait génie. Tellement elle est jolie. La fille est restée comme ça, collée. Le monsieur dit si je pouvais faire. À cause de la pitié de la maman, il allait faire. Mais le, leurs conditions sont que le papa devait venir ou bien il devait venir. Au moment le papa était vivant, parce que c'est comme ça les trucs sont. Mais si le papa n'est pas venu jusqu'à il est décédé, le problème ne peut plus se régler. Oh mon dieu. oh bien vous êtes assis comme ça, là, vous êtes fan de vos enfants. L'homme même son truc peut se lever contre ton enfant. Ton enfant que tu es, qui, est, qui, est, qui est né, tu es parti à, à côté de lui à l'hôpital, tu l'as vu, n'y a ton enfant, toi-même tu es enceinte, et puis l'enfant est devenu l'homme. L'homme peut avoir faim de ça, être fin de ça. Ah, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de frère. Ah, frère. Donc, mes fierté, voilà ce que je voulais dire à nos parents musulmans. Ah! an faw abra e na bamuso sramaw aye sabari ayi fara na te abara n tɔɔrɔ abara sigi a nin kan den te lamunate dɛ den te lamu na te a ye sigi ka kuma na denw ye ni den ka a rɛgli ye na kaa yi den sin bɔ la sana i taa to fasa karamata ka den sin gbisi kaa ladoo ni o taa solisiyɔnye dɛ ni d'un bruyenne moi même quand mes seins sont sortis ils ont tapé pour moi la papa mhm t'en Tenez, ma vidéo en train de se bloquer bloquer ils ont pris pour taper sur mes seins quoi 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 obinike fara qu'au fond que mes seins ont qu'à rentrer forcés ah c'est Dieu qui fait sortir seins de l'homme ils ont ils tapent quand ça pousse maintenant quoi là anwsi y umadenw fɛ mɔgɔ be kuma ni de den walaabionore i be den ladɔ bona mama pe fɛ papa pe fɛ kaa lali ai boyena i kera suru ye vraman ntefɛ ye kosoom y'ɔnɛ nuɔnela putɔnela konsɛi i kanalamaraknatyɛrɛlnaaaa comment on va se donner conseil quand conseil il y a des enfants là quand tu les vois leur maman ou bien leur papa on dirait des amis mais il y a d'autres qui sont tellement sévères l'enfant n'a pas le courage mais quand l'enfant les regarde comme ça l'enfant a peur donc les enfants se cachent pour aller faire les bêtises après quand les enfants prennent grossesse ah qu'est-ce ah tiens

c'est la meilleure qu'on fasse. Donc, ma fierté, voilà ça. Il fallait que je parle. Moi, je dis mon cœur, là, il y a des trucs, ça ne supporte pas. Les trucs comme ça, ça fait trop pitié, ça fait trop mal. Bon, vous avez tué votre enfant, là, le péché de ça vous attend. Même si vous voulez, là, aïe, c'est prier, priez, aïe, vous n'allez pas rentrer au paradis. Dieu dit, si tu as tué l'homme, tu ne rentres jamais au paradis. Lui, il pardonne tout. Mais la personne qui enlève la vie de l'homme, il ne pardonne pas. Il peut pardonner tout. Il y a plein de choses, il peut pardonner. Mais la personne qui a la vie, parce que lui, Dieu même, pour nous mettre la vie là, ça n'a pas été facile. Pour lui, c'est très dur de mettre la vie et c'est très dur d'enlever la vie. Donc la personne qui enlève la vie de son prochain, lui, il laisse pas. Et pardonne pas. Si tu veux, faut prier. Tu as enlevé ton front. Le jour où tu as mouru, c'est la, la, la souffrance dans ta tombe. Jusqu'au dernier jugement, tu n'auras jamais la, la lumière dans ta tombe. C'est quoi ça là Laissez nos péchés sur nous. Si on a pris ça que Dieu n'aime pas là, Dieu va aller nous juger. Hein? Vous êtes là, vous nous fatiguez. Assure-toi si il, quest ce qu'abord on sort pas, on est dans la maison. Kurukutu, si on te voit au dehors là, on va te faire ça. Nous les filles du roi là, nous les filles musulmanes, là, on souffre trop. Les musulmans là, on souffre trop dans dans la main de nos parents. Faut pas sortir. Tu es dans la maison kurukur Tu peux pas sortir le soir même là, quand vous finissez de faire prière de groupe dans la cour. Abekui là, tu allais t'asseoir au bord de la de la cour. Quand papa ne qu'a trouvé, tu es assis devant la cour seulement. C'est qui va mettre sur toi là Toi, tu as dit non. Alors que tu n'es pas parti te promener, il hein, faut rester dans la cour. J'ai vu monsieur dans notre quartier, tu sais, j'ai dit ces femmes et puis ces enfants, même s'ils sont assis devant sa cour comme ça, au dehors, hein, ils ne sont pas allés se promener. Et elles sont assis devant la cour. S'ils voient la voiture du monsieur en train de. Si tu vois les femmes à elle, elles, leurs enfants sont en train de courir pour entrer dans la cour, tu ne vas pas croire. C'est qu -ce quelle sévérité ça Devant ta simple cour, ils n'ont pas le droit de s'asseoir... ils n'ont qu'à rester toujours à la maison là-bas. On dirait des esclaves. Dieu a dit, on n'a qu'à se faire esclave comme ça. Et ne peut même pas venir prendre de l'air au dehors. Hein? Il arrive, il arrive. Les enfants courent. Hey, souvent, eux, hey, puis leur maman tombe. Ils sont en train de courir pour Pour, pour, se, pour se bloquer devant la rentrée de portail là. Eh! Hey!

Paske yo dan la vidyo yo jodi kon ne la. Ali ni man fo londoyi djugo dobe uri. Kata fo nye nan. Kwa eske a balo apam sote wa. Obele bebi yo. Ehe. <laughs> kwa al, nino nino. Donke. Ne ra kou lasgi kan ou bwen nan nga nyan fo e. Un wote mo fani mi nan nga bej la. La bej gan ven be mbron. Nan nyan fo. Oko nan. Ehe. Kou kou maman nou te mou re loren, il le ban nou bansouye. Se de sa ki saji. Ke set fom la, mèm si nou an la vò, je di, an la ròkone pa, mèm an vè pa den, an vè pa la vò. Se to a, nou an kone, sentou an ite mò, kata don la frisoun wou ka. Nyan an ton, mikro pou tèman, i wòro den, nef mò, akwè chèman duj. Ale tout ka lò den, nou ben akwè tabi wò.

si c'est l'homme même qui faisait ça là, il n'allait pas avoir femme qui n'a pas d'enfant, qui sont en train de chercher un enfant aujourd'hui. Donc, ma fierté, c'est ça que je voulais dire. Tous nos parents musulmans que vous connaissez, et à un Envoyez à vos papas. En Envoyez à vos mamans. Faites-les écouter ce que j'ai dit.

nous C'est Dieu qui a tracé notre destin avant de venir sur la terre. On souffre trop. Souvent, on est là, on ne veut pas parler parce qu'on s'est dit, bon, faut pas venir dénigrer tes parents d'une manière. faut pas venir dénigrer ta religion d'une manière. Mais on est fatigué. Depuis nous, nous est au 21e siècle aujourd'hui. Changez. Laissez-nous en paix. Excusez-moi, mes fiertés. Excusez-moi, on m'appelait. Bon, je ne sais pas. Peut-être la personne n'est pas amie à moi. Ouais. Bon, je ne sais pas. Normalement, quand tu as mis avec quelqu'un et que cette personne fait les vidéos, Souvent, quand tu dois appeler la personne, tu vas regarder sur sa page pour voir si la personne est en direct ou pas. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, là, ça gâte la vidéo de l'homme. Quand tu as mis quelqu'un sur Facebook là, et puis la personne est vidéoman sur les réseaux sociaux, avant d'appeler la personne, va sur sa page pour aller regarder si la personne n'est pas en direct. Quand on appelle dans le direct comme ça, là, ça bloque, bloque. Et puis ça gâte lui direct de l'homme. Donc, c'est ça que je voulais dire. Foyons révolter, foyons ouvrir. Ote main. Nous, les filles musulmanes, nous, les filles musulmanes, nous, là, en Côte vois nous, on va se révolter contre nos parents. Et puis, elle m'appelle encore une fois. Non, il m'a ça. Il dit où elle en là. Tu es en train d'insister. Oh, non. Tu m'as appelé sur l'autre, là, je n'ai pas décroché. Tu t'en appelé sur mes cinq. Encore. Tu as gâté mon direct. Faut regarder sur ma page, si c'est un direct ou pas. On doit se revoiter. En fait, un Comment? Un bras, toi. Deux euros, ça. chaya. Alana, quoi, j'ai peur de mon papa. J'ai peur de mon papa. J'ai peur de mes parents. Dans ce chemin ça là. quand j'étais en vacances à saint françois il y a des jeunes filles qui sont mortes sous le fait de l'avortement à cause de leurs parents. On va dire non à ça. On va dire non à nos parents. On va vous respecter, mais on va dire non à ça. Chasser les enfants qui ont pris grossesse, les parents qui vont faire ça maintenant, on va porter plein contre vous. Vous allez garder les enfants à forcer, à vous accoucher. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les, cadavres des enfants qui ont été, les bébés qui ont été retrouvés. Quand vous-même, nos parents musulmans, quand vous voyez ça là, vous qui êtes sévères là, vous qui, 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 qui je sais pas, hein, quand vous voyez ça là, ça vous plaît? Vous allez voir ça, vous allez dire lae, ah Yara Suru laé, Subanan lae, Subanan lae. vous allez rester dans ça, alors que c'est vous-même qui poussez les enfants à aller faire ça. Naman chien, Fognon, Anke, entre dans ton nina. Aïe, Faria Dabla, Aïe, Abra, Tsianika. Nos enfants, nos petits-soeurs, nos petits-enfants qui vont venir derrière nous, là Fara, là. Avant, quand tu prends grossesse à l'école, même à l'école, les gens ont compris. Quand tu prenais grossesse et que tu étais élève, on te chassait de l'école. On est au 21e siècle aujourd'hui. Dans Côte d'Ivoire là, quand une fille prend grossesse là, on la chasse pas de l'école. Elle va aller à sa grossesse là à l'école jusqu'à à son accouchement. C'est toi qui es enceinte. C'est toi qui vas souffrir sur le soleil pour marcher, pour venir à l'école. Jusqu'à son accouchement, quand elle accouche, l'endroit, on leur donne deux semaines. Si ce n'est pas césarienne, on leur donne deux semaines pour reprendre l'école. Toi, si tu kiffes dans ça, là, tu vas avoir le courage d'aller, tu ne vas pas te protéger. Tu vas te protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez les enfants voir accoucher. Quand elles vont voir souffrance de grossesse, là, si elles vont aller prendre encore, on va voir. Peut-être c'est un seul enfant que Dieu t'a donné dans ta vie et qui t'a donné dans ta jeunesse. Il y a des gens aujourd'hui qui sont, qui ont fait enfant dans la jeunesse. Moi, j'ai une belle sœur là. Elle a eu un enfant dans sa jeunesse. Heureusement qu'elle a gardé sa grossesse. Elle est mariée aujourd'hui avec mon, mon frère. Là. Ça, depuis, ça vaut plus de 15 ans. Elle n'a pas encore pris grossesse, a plus fort raison qu'elle s'est gâtée. Ça veut dire c'est ce seul, seul enfant là que Dieu avait mis dans son ventre. Si elle avait gâté cette grossesse ce jour, si ses parents étaient sévères et qu'ils l'avaient maltraitée et qu'elle était allée gâter cette grossesse, ou bien par peur de ses parents, qu'elle était allée gâter cette grossesse. Aujourd'hui là, tout le monde, les gens, ceux qui l'aiment pas, par exemple, allaient l'insulter, femme stérile, femme stérile, l'insulter, la traiter de tout. C'est sa seule fille là elle aujourd'hui, ce qu'elle a fait dans la dans la dans jeunesse là, jusqu'à son mari même a pris l'enfant comme son enfant. Pour ne pas qu'elle s'assoie comme ça tristement. Parce qu'elle respecte son mari. Son mari l'aime. Ils s'entendent bien. Plus de 15 ans, ils sont ensemble. Ils n'ont pas eu d'enfant. C'est pour ça qu'il faut éviter de gâter leur grossesse. J'ai vu une vidéo de de ma fille Loli. Loli, la femme de mon fils, Bien vrai, ma, ma, ma fille, c'est un truc qui fait très mal. Qui fait très mal. Je comprends ta colère, ma petite. C'est un, un truc qui fait très mal. Mais tu dis, il' a cas, le, le gouvernement n'a qu'à mettre un truc en place pour que les enfants qui sont enceintes, les jeunes filles qui sont enceintes de trois mois et autres, pour qu'elles puissent, en plus puisse ordonner qu'ils font les avortements. L'avortement n'est pas bon. Dans l'avortement, même, tu peux mourir. Il y a une vidéo envoyée, là, je suis TikTok. On a des sœurs qui étaient au Maroc, elle a pris grossesse, elle allait gâter. Nous, tous on a vu sur TikTok là-bas, son cadavre est couché, façon, dans la position qu'elle est, elle est. L'avortement n'a pas réussi, elle est morte. On peut pas dire à nos gouvernements, nos autorités, d'autoriser l'avortement. Quand tu autorises l'avortement, c'est toi qui as autorisé l'avortement, c'est sur toi le péché va être. Mm -hmm. Dieu dit faut pas gâter une vie, il faut pas tuer une vie. L'avortement, aussi, quand ça se fait, ceux qui vont mourir dedans, ça te fait double péché. L'enfant est mort, la maman est morte. Donc euh, ma fille Loline, c'est pas un clash ou bien te truc, mais ce truc-là peut te dire ça. Ça c'est pas, ça c'est pas bon. On doit s'adresser à nos parents pour leur dire de laisser les enfants en paix, tranquilles. Voilà, c'est ça. L'avortement n'est pas bon. Nem dan lo koran se pa bon, Nem dan la bib se pa bon. Don se sa je voule di, Ni tu me fe kachi mi faw le ni, Aya blai ta dan faw nan pa ou ma, An bam so sura man ou, An fati sura man ou, Ali mami ou, Kram wakouran an ti ou, Aya blai ta di ou ma, Ali ni ali mami. Mwen je konen mesye, On ne ka di la verite, Je di se pa ekri dan koran. On ne ka rete de nou mati. Il e li mami. le mensieur là ya pas un de ces enfants qui a pris grossesse epuis la chassé il est limam quand je dis là c'est pas musulman cramoro comme ça e limam il fait prier les gens un papa limam choco na chocolaté poro tous le temps ces deux de cesquiontpris grossess Il ne les a pas chassés. L'autre, là, là elle a fait trois enfants dans un dans, dans, dans truc, sans marier. Il n'a pas chassé sa fille, n'a pas frappé sa fille. Jusqu'à ce qu'il prenne l'enfant de, de sa fille, là, il met sur sa moto, il se promène. Les gens ont parlé. Si Est-ce qu'il est calculé il, Ça, il connaît le Coran. Il a attaché sur sa tête comme ça. Quand on dit Kouana Menini, Kouana en courant, là, c'est attaché sur sa tête. Ils ont mis sur sa tête pour faire. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on aime bien courant, là. Il n'a pas chassé son enfant. Il n'a pas dit qu'il faire avortement. Il est là. Les gens ont parlé. Est-ce qu'il les a calculés Tu as avoir peur des gens pour mettre tes yeux sur Dieu. Les gens ont parlé, oui. Hein? Lui-même, enfant bataille, hein? C'est ça, il prend une main sur mon truc Est-ce qu'il les a écoutés est-ce qu'il les a calculés. Hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas écrit dans le Coran. On n'a qu'à arrêter de mentir. Donc, mes frères, je pense que on va arrêter pour aujourd'hui. Mais je vais parler quelques, quelques mots. J'ai profité de ma vidéo là. madresser à nos parents togolet parce que ou on a arrivéla one ca arrivé one ca se dit la vérité le problème de la sœur a mon cila a mon chiq on a parlé nou même on a parlé sur notre sœur ece hey, nous-même on a parlé sur notre seur on vous êst demandé pardon envoye ma vidéo la à nos parents Togolais, mes chéris, mes maris, les Béninois sont mes maris, donc les Togolais sont mes maris. On nous vous a demandé pardon. Nous-mêmes, on a fait vidéo ici. On a demandé pardon. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la vidéo sur le TikTok. Ils vous ont demandé pardon, chers parents, chers parents togolais, chers peuples togolais. Eh hey, c'est quelle affaire qui finit pas? On vous a demandé pardon. Pardonnez notre soeur. Pardonnez notre soeur. Mais vous êtes ciel Vous êtes ciel' C'est qu'elle a fait qui finit pas. Et vous aussi. Et nos parents togolais. Mes chéris Togolais. Pardonnez, arrêtez ça. Ça, c'est pas bon. Quand on dit pardon dans quelque chose là, moi je pense que ça, ça doit finir. Est-ce que vous avez vu que non 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 nous, nous, les Ivoiriens, les autres personnes se sont levées pour venir s'asseoir pour vous attaquer. Hein? Moi-même j'ai parlé sur ma sœur à chic. J'ai dit non, tu pouvais me mettre d'amusement. Il fallait pas répondre comme ça. On a donné tort à notre sœur. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Chaque jour vous êtes sur elle. Chaque jour vous êtes en train de prendre ça pour que ça a devenu jusqu'à beaucoup d'ivoiriens. Je dis, sont en train de se mettre dedans. Ils sont en colère. En train de prendre maintenant le côté de le, de, de, de de à Eh, la femme vous a fait quoi Quand on vous demande pardon, acceptez. Vous allez faire ça à devenir clash entre Togo. Nous, vous, les Togolais, là, nous, on vous connaît pas sur ça, hein. Nous, on vous connaît pas sur ça. Sur les clashs, les injures, sur les réseaux sociaux. Nous, on vous connaît pas comme ça. Hein? Vous allez faire ça à devenir à faire des insultes entre Ivoiriens et puis Togolais. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas avoir de problème, avec hein, les Togolais. Nous, mêmes même à cause de votre président, le président, comme on l'appelle même. Le président de Togo, là, son nom est dans ma tête, mais je ne sais pas bien prononcer. Il ne faut pas y aller, venir gâter le nom du monsieur. Donc, je vais dire le président du Togo. Le président du Togo, même là, regarde ce qu'il a fait dans le problème de nos 49 militaires. là. Hein Il était sur son pied matin, midi, soir, en train de nous soutenir. Il soutenait les Ivoiriens. Mais à cause de lui, à cause de ça, même, ce geste-là. Que le président togolais, on dit Yacine Bewa ou bien comme on l'appelle, le président du là. À cause de ça, même nous les Ivoiriens, on ne veut pas avoir problème avec les Togolais. Parce que quelqu'un qui t'aime, quand tu n'as pas problème, quelqu'un qui t'aime, quand tu es dans le problème, cette personne là, il faut éviter. Que vous ayez des problèmes. On n'a pas vu un Togolais sorti pour venir faire vidéo pour accuser leur président pour dire pourquoi tu es en train de te mettre dans cette histoire. On n'a pas vu un Togolais sorti pour venir s'asseoir pour dire il faut que nos militaires restent là-bas. Votre, votre, président, le président du Togo à cause de lui, cher peuple Togolais, nous les Ivoiriens, nous sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas quand on nous fait du bien. On ne veut pas avoir de problème avec vous. Je vous en prie, je vous en supplie. Cette affaire la pardonner, laisser comme ça. Pardon, 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 on a demandé pardon. c'est n'est pas fini. Hein? Ah. Pour me pardonner, moi, à cause de votre président-là, vraiment. Hein? Si votre président même voit que les Ivoiriens, les Togolais sont sur les réseaux sont en train de s'insulter, ça, c'est pas bon. Les ennemis même vont se moquer de nous. Ils vont dire, le, je ne sais pas, le, le président Togolais qui était en train de, comme ça, les ennemis de notre Côte d'Ivoire, ils seront contents. Hein? Ils vont dire, ce n'est pas le Togolais qui était en train de, de, de tout faire pour qu'ils n'ont qu'à libérer nos militaires, leurs militaires. Voilà aujourd'hui. Les Togolais, je vous demande pardon. C'est bon comme ça. Dombrake, dombrake, karezante, aïe, sabari, pardonnez. Hey, vous êtes assis sur la, sur la respiration de notre soeur. Vous l'avez insulté, 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 insulté. Nous-mêmes, on est venu lui dire, tu as tort, on demande pardon au Togolais. Mais on peut pas quitter dans ça. Ou bien c'est dans ceux qui sont là, vous dites de venir la dénigrer. Parce qu'il y a d'autres là qui sont sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils l'ont pris comme leur ennemi. Ils ont pris à moi-même comme leur ennemi. Donc, c'est eux qui sont allés vous dire que bon, profitez de ça. Les gens vous ont demandé pardon, n'acceptez pas. Insultez-la seulement. Pensez aussi, hein. Elle est mariée à votre frère. Eh, tchè. Donc, c'est ça que je voulais dire au Togolais. Pardonnez. C'est bon comme ça. Faut pas d'autres qui veulent le feu entre les deux pays Ils vont venir s'asseoir pour s'insulter sur les réseaux sociaux. Ils vont venir vous pousser, pousser à dire vous dit de faire certaines choses. c'est pas bon. Nous, on ne veut pas avoir, les Ivoiriens, on ne veut pas avoir affaire au Togolais. On ne veut pas avoir de problème. Quand je dis affaire au Togolais, c'est trop un peu mal placé. On ne veut pas avoir de problème à hein, nos parents Togolais. Parce que nous, on n'a pas oublié hier. c'est c'est même pas hier, c'est tout près là-là. On n'a pas oublié ça. Ce que votre président a fait pour nous, pour nous dans l'affaire de nos militaires, nous, on n'a pas oublié ça. C'est trop tôt pour qu'on oublie même. Donc, on vous demande pardon. Cette affaire ne pas s'arrêter comme ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais, fierté, je pense qu'on va se laisser pour ne pas que la vidéo va durer trop, trop d'une manière. Voilà, on a parlé de l'essentiel. Je ne suis pas chrétienne. Hein? Je suis musulmane. Je ne suis pas musulmane.

Okay. L'imam qui va aller demander pardon pour vous, c'est lui qui est venu vous demander pardon. Vous n'avez pas accepté, vous allez partir en prison. Il n'y a pas de pardon dedans. Le président, là, ça n'est pas le président des musulmans seulement. Il est le musulman... Ah, pardon, il est le président de tout, 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 toute la Côte d'Ivoire. Toute personne qui agit comme ça doit, doit aller en prison. Aïe, mon frère. Aïe, Nitabla. Donc, toutes les petites... Les fistines, si vous prenez grossesse, ne gâtez pas. Si vous prenez grossesse, ne gâtez pas. Si vos parents veulent vous emmener, rentrez dans mon in-boss. Donnez moi leur nom, leur quartier, où ils sont. On va les déposer une main courante contre eux, à la police ou à la gendarmerie, pour qu'ils gardent cet enfant, pour éviter que cet enfant va accoucher un enfant pour aller jeter dans le caniveau ou que cet enfant va gâter la grossesse pour mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas discuter avec vos enfants pour leur donner les petits, petits conseils, là. si les enfants ont peur de vous, qu'elles doivent se cacher pour dire on a EPS aujourd'hui, ou bien j'ai un coup, alors qu'elle n'a pas couru sans se coucher, on la couille jusqu'à le soir. Et puis, grossesse sort dedans. Vous allez accepter. Aïe, faria, badabla. Donc, c'est ça. Bon, mes fiertés. On a fini, hein. Et puis, j'ai des petites qui sont rentrées. Je voulais dire ça même au début, hein. J'ai oublié. J'ai des petites, des fistines, que je vais taire leur nom, qui sont rentrées en contact avec moi pour me dire viens, mais pardon. Ce qui s'est passé là, ceux qui sont allés faire les, les paroles bizarres, bizarres Château de pardon, parce que tu étais trop en colère, tu as trop parlé fort. Tu dit Pardon là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas ennemi de l'homme, je n'aime pas détruire l'homme. Elles ont dit parce que eux, où sont là, là elles n'ont pas encore de solution. J'ai dis, c'est pour ça aussi que je suis en train de faire le combat. Pour les gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de solution, pour ne pas que vous m'envoyez ça. Hmm? Moi, j'ai dit, oh, j'ai dit, s'ils si n'ont pas arrêté là, je vais prendre leur tuto pour envoyer à la Croix-Rouge. Je vais envoyer à la CAF. C'est de ça qu'il s'agit. Croix-Rouge-Caf. On dit, viens, mais pardon, ce qui s'est passé, nous-mêmes, ça nous fait mal. Mais où on est là, là? Il y a beaucoup de fils qui se bro, qui bro bro. Dans le château, dans le château d'eau, là-bas, là, Il y a les Nigériens. Il y a les Togolais. Il y a tous les pays, là-bas. Il y a tous les pays. Qui bro bro, là-bas. Femmes comme garçons. Qui était là-bas.

pour que est la fiabre. Vous avez déjà vu les autres pays qui travaillent dans le château Vous les avez vu en train de faire parler Grougra gougra, Les gens sont allés les séparer. C'est le comportement comme qu ça qui s'est passé en Tunisie. On n'était pas là-bas, on n'a pas vu ça. Donc, on ne pouvait pas parler. On vous a soutenu. Pour dire ce que la Tunisie a fait, ce n'est pas bon. N'y a pas de Hein? nous nous Allez se piquer un couteau. Allez payer les lames contre l'autre. Dieu me Soma, Vous êtes en France ici. Vous avez vu. Est-ce vous avez déjà vu les blancs? Les vrais blancs. Ma foi, à Niamine ou bien à Les vrais, vrais blancs. Même les arabes, même. Ils se battent pas dans la rue comme ça. Vous avez vu les vrais, vrais blancs en train de se battre dans le métro? Rien souvent, tu montes dans le métro, même c'est rempli jusqu'à ce que tu ne peux pas respirer. Tout le monde marche sur pied des blancs. Tout, tout le monde. Vous avez déjà vu un blanc s'est levé pour gifler, un blanc pour dire tu as marché sur mon pied. Et ils ne sont pas là pour ça. Et leur pays, là, c'est pays de paix. Ce n'est pas pays de sauvagerie. Ils ont éduqué leurs enfants comme ça. Un blanc. Tu es en train de marcher si tu l'as coigné sans faire esprit. Avant que toi, tu as dit pardon, c'est le blanc qui te dit pardon. C'est comme ça qu'ils ont éduqué leurs enfants. C'est la loi les ont mis dans leur pays. Quand vous venez d'un pays des gens là, respectez leur loi. Quand vous ne respectez pas la loi des pays des gens là, c'est ça qui fait qu'on vous chasse de leur pays et puis on dit qu'ils sont racistes. Il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux, on l'appelle la Koala. La dame, elle met ses vidéos sur TikTok. Elle ne pas quelqu'un elle danse, elle danse. Quelle enceinte, elle danse. Quelle elle est là, elle fait ses trucs. Elle porte long talons souvent, elle nous fait rire. Si TikTok. Ok demi woro ding, ala lebe ding nalo ma dira roman. Ala lebe blala mokono, mokosi ta la derrière là, yé dingoro, yé ding ke nalo me fait banabratoy. On va dire fotota, auquel arco il

À quoi de donner trop Si son mari, elle n'a qu'à refuser son mari au lit. Vous voulez qu'elle n'a qu'à refuser son mari au lit Si son mari veut coucher, elle n'a qu'à refuser. Si elle est féconde, c'est Dieu qui l'a rendue féconde. Dieu l'a donné enfant qui est malade. C'est ça. Vous êtes parti prendre. Ce qu'elle fait sur TikTok là, parce qu'elle a les abonnés, les gens l'aiment, ça vous fait mal. Vous l'avez attaqué, attaqué, attaqué sur les réseaux sociaux. Un moment, je vous ai vu là-bas, dans sa, parlable de ça. Vous avez quitté dans ça. c'est son enfant qui est handicapé. Que vous prenez maintenant pour mettre sur vos TikTok. Après, quand les Blancs vont agir très mal sur vous, vous allez dire les Français sont racistes. Ça, ça ne se fait pas en France ici. On ne se moque pas d'un enfant handicapé. On n'humilie pas un enfant handicapé. Vous allez rester dans ça là. Vous allez vous retrouver en prison. C'est quoi ça? Donc, mes petites, mes fistines, voilà ça, hein. C'est vous qui n'avez pas solution. Solution tabrofro. Malou ira créer là. Malou a créé là. Parce que Il y a des fistons, il y a des fils là.

mɛtela sagesanvu aye mɔgɔmakusa dabla viye pɛ nunu yɛrɛ filɛ minlugu minnu yɔrɔo fɔ jura ka na viye pɛɛ minluga salɔnniy' fɛnw be shato do an aluu yɛrɛ minlugu nana ni saman bɛi sɛbɛ ta boro o b'a ta bu kaye se k'i boroboro k'i deburuye ka se ka dɔn dɔn sɔrɔ k domrm

a ti miiri wa a ma na kɛrɛkɛyɔrɔ yan ni bɛ fɛ ka kɛrɛkɛ a ye taa ɲɔgɔn kɔrɔ cote divoire c'est cote divoire que n'a e t'o pe ye c'est la banque de quitte poudrine en france ni kɛrɛ b'a tiɲɛniya hali ni sanji tanu n'a ka sɛbɛ sɔrɔ san na a bɛ taa a bɛ taa yen a bɛ taa ɲɔgɔn gbisi ye a bɛ taa ɲɛnabɔ ye mɛ ka kɛrɛkɛ ka mɔgɔw mako sa a y'a dabila.

Nous, on ne veut pas les embrouiller. Vous allez dit que les blancs sont méchants. Bon, ok. Un okay. Donc, comme je vous disais toujours, il y a le conseil, le conseil de Maman Kouma. Voilà. Quand je, les musiques que je joue, là. Hum, les musiques, là. Les btioi les samantigila là. C'est truc de Maman Kouma. Voilà. Maman Kouma Kouyate. Hum. C'est à ton conseil. Donc, à concerner, à allez-y faire. On ne peut encourager nos artistes, surtout si nos mamans, anciens, anciens, anciens artistes, qui ont duré dans qui depuis nous n'ont pas encore né. Et Dieu a en fait aujourd'hui la même. là Elle a arrêté de chanter parce que ses enfants sont artistes. Mm -hmm. Elle a arrêté d'être artiste, chanter comme les autres, parce que ses enfants sont artistes, pour les laisser la place. Ces mamans-là, si Dieu les a donné longue vie, faut que l'on s'aie bu. Elles ont eu longue vie. Nous, on est nés, on est venus les trouver, on a grandi. Si elles font leur concert de combien d'années 40 et quelques années, là. En allez-y les soutenir. Allez-y faire buer. Uh -huh. Allez-y faire buer, Jusqu'à vont dire c'était rempli, puis il y avait les gens dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on joue leur musique comme ça, on est content, on s'amuse dessus. C'est parce que c'est des musiques qui, sont, qui ont été bien faites, qui sont bien, qui sont intéressantes. Donc, je vais mettre. Euh, hum, je, vais, je, vais, je vais mettre. Euh, Maman Kouma, c'est ça. <laughs> BTIOI. Ou bien, on va mettre ça matin là d'abord. Et puis. Ou bien, attendez, j'aime mettre BTIOI. Et puis, on va mettre ça euh, matin là après. Merci à vous tous qui avez pris, oui, vous a vous a Bon, monsieur, attendez, je vais saluer les gens d'abord. Merci à vous tous qui avez pris votre temps, pour monsieur. Ceux qui n'étaient pas disponibles, après, vous allez, et ils vont voir. Voilà, quand vous avez la vidéo, quand vous regardez, montrez à tous vos papas, vos pères, vos mères, tous les papas du quartier que vous connaissez, les mamans du quartier musulman que vous connaissez, montrez-les. Oui. Amra toro Dobrake angana fro skretima ah sonoma angna fro momi teci là angna son ah sonoma angna kononta nalaka kono dama angna kefana ai forana Vous êtes nos papa, vous êtes nos maman, mais nous voici de ce on va se dire ouais, Laissez-nous, on a souffert. D'autres même n'ont même pas fait de vie. Rien, elles sont coincées dans la maison. Jusqu'à aujourd'hui les gens les appellent les caou. Quand tu connais pas la vie, tu joues, tu es à dans la maison. Hey, si elle te voit devant la coupe, tu as vas Si elle te voit devant la coupe, tu as vas C'est dans ça qu'on est resté. Souvent, ils viennent te trouver, tu es assis devant la cour. Ils me suivent ton visage. Bouh! Wow! On a assez souffert. Amra, Toro, Aifrana. frana. Quand il est donc, il est frère, il est assume. Même s'il n'a pas moins. Regarde les jeunes que, euh, en chose, quelque chose. Soulement touré, en train de les aider, là. Les fils, non si là. C'est les gestes comme ça même on veut. J ai, et puis les fils, là, j'espère que l'argent, on vous est donné, là, vous allez prendre pour faire bon truc, hein. On va vous voir pour dire que vous avez au bourreau, -bourre dedans. Si vous faites ça, là, pour aller bouffer l'argent, là, vous n'avez rien fait là. Vous gâtez l'argent des autres fils. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi eux, là, il y a un même là. Hein? <laughs> Lui, il a enceinté une fille. Il a dit, là, sa copine, ils ont fait enfant. Malgré, il il n'a pas de bonne solution. Mais la femme est tombée amoureuse de lui. C'est le destin, c'est l'instinct de tout le monde. Il a enceinté femme. Et puis, la fille, là, ils sont les pires. ils l'aiment. Son enfant, ils l'aiment. Ça, 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 ça. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils ont cinq femmes, là, ils ne fuient pas leurs responsabilités. Parce qu'ils aiment la femme. Donc, on va mettre la musique. Merci à vous tous. Que Dieu vous protège partout où vous êtes. On va mettre la musique, deux musiques, pour finir la vidéo.

Abnen nan yere bla problemou nan. Ban zan, ka bam son nan fatye ou bla. Jisou kasi la. Kere te kere, an ta kere ke kwa di vwa. Hmm. Antane, jere touni mouzik la. Je fe kwa? Nan, yi, akade di kwa di kwa? Donk an mou bla la, wala le mouzik ki mouzik. marqué il y a d'autres musiques mais on va mettre les deux là comme la vidéo a duré a été longue on va mettre les deux pour soutenir maman Kuma parce que je peux pas jouer cette musique dans mes oh, direct elle n'a jamais signalé sur Facebook pour dire à Facebook de bloquer mes directs parce que j'ai joue cette musique hein pour chanter là c'est pas facile hein vous-même vous me voyez je chante là est-ce que c'est même voix que pour maman Kuma pour elle est doux que pour moi donc, quand il y a son concert, on doit la soutenir, être à ses côtés pour dire aux gens, voilà, c'est comme ça. C'est ça. y a Je ne peux pas me taire comme ça, pour faire comme rien. faut qu'on la soutienne dans son concert pour dire aux gens d'aller la soutenir. C'est comme ça. Aujourd'hui, on joue ces musiques-là parce qu'on dit que ces musiques-là sont intéressantes, c'est doux, c'est des gens qui ont chanté. Voilà. Quand tu joues comme ça, je joue, je ris avec vous. C'est des gens qui ont pris leur temps, qui, qui, qui ont souffert pour chanter leur musique. La musique ne m'appartient pas, mais je rigole dessus pour chanter. Voilà. Donc allez-y, remplir le conseil de Maman Kuma. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu sur TikTok pour mettre ses, ses vidéos, hein, sa musique. Tout cela, c'est des soutiens. Voilà. Tout cela fait partie du soutien. Voilà. Uh -huh. Tout n'est pas l'argent. un on soutenu vivant, Voilà. Attendez, je vais mettre pour le samatrila. On va se dire au revoir sur ça. Maman Kouma, bonne chance pour le concert. Elle a diamant bon. Mm -hmm. Et merci pour toutes ces belles chansons pour nous. Maman Kouma, écoutez. ikuyate, a un chi, elle di. Donc, Brutatu est vraiment tali.

naanaawa naanaawa ko na iweta osamadiila agbonsa bete azamadiila azamadiila zira waya do ne nzamadiila e kama ko naanaawa naanaawa jaabiwu ana nuware yi. olu sraŋu mɛta aboma bɛ da amadigira a samadigida zirama ya dɔbɛ adgira samadigina miri yadɔbɛ zamadigira samadigida sirama yadɔbɛ zamadigira mersi mamakuma si ani kɛnɛya aladima ye bɔɔkɛ jiabi mɛ welefɛ

jelida nu jeliya yafama jelida nu jeliya yafama jeliya le naani taara mɔgɔ bɛ se k'i kɔsa tere mɔgɔ yɛ dɔnkili kan ta aah kabako lumamu kulubali ma na wa e mamu we dawuda a furu ɲɔgɔn ma.

n fa jaabi bara wila yɔrɔ ni diyemu ni walibɔle ni fa jaabi tu tila. o mais n'an bɛ video kɛ ni sun tigɛra wagati min na nii hàn. mɔgɔ bara yɔrɔ pɔsin la bɛ se ka ɣan baro dɔ kɛ ɣan baro min bɛ laalikan di mɔgɔ ma quoi. pan zu ka na kaasi parce que sunkalo y'an.

ɛinɛabi ba guma yɔɔ nɛyin kɔ e mucachɔ muchacɔ ture be nana a lu ma yee kunba be ta sɛnɛ fada e ba bunu jɛbi niga di ra gafama dɔŋini sɛlifɛɛ ayɛwabdsuadsɛɛɛ ɛa Voilà. Merci, merci, merci à vous tous, oh. bonne soirée à vous, que Dieu mette, oh. voilà la paix, toujours, toujours, dans le cœur de nous tous, tous les Ivoiriens, nous sommes tous même chose, même mère, même père, voilà, en Côte d'Ivoire, les paroles de haine, de violence, de voilà, 9 sera 6, 6 sera neuf, on a qu'à arrêter les discours quoi. voilà. On ne pas vivre ensemble, on pas vivre dans la paix la tranquillité. C'est dans la paix on est tranquille. Dans la violence c'est pas bon. Hmm? Ça n'arrange personne. Ça va pas être bon. Donc que Dieu mette la paix dans nos cœurs. Que Dieu donne la longévité. En notre président de paix le président Lassane, notre père Papa Ado, que Dieu lui donne longue vie, la santé de faire la longévité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc oh, epuis n'o komandew n'o cɛ fari jeovus lɔf jevu moa ke jeov'us dɔn lɔng vi ala kan'a to marifa tɔɔrɔ la grɛgrɛko masuwakobɛn al'a kisi ya ma alugu b'n' to sunɔgɔ la kaan baw to sunɔgɔ la kaan faw to sunɔgɔ la ka shi entran de fɛler securité ke jiovu potege de tout le mal ala kanaa jugusa la alaa jugu bɛɛ dɛsɛya la bisu moa jeovus lf